Tout. Ah. Coucou tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live de Final Fantasy IX où je continue mes aventures sur le jeu Final Fantasy IX. Alors, où est-ce qu'on en était arrêté la dernière fois? Eh bien, nous avons déjà une team au complet, c'est-à-dire tous les personnages du jeu a priori. Et nous avons vu que malheureusement, Kuja a recruté les mages noirs, donc ceux du village des mages noirs, ceux qui avaient une conscience, hein, c'est pas ceux qui ont été créés et qui ont été utilisés comme chair à canon. Donc là, c'est vraiment les amis de Bibi. Et suite à ça, nous avons eh bien, tout simplement décidé de rejoindre en fait, le QG de Kuja, hein, bien, sans aucune protection ni rien du tout. Hein. Et il nous a eh bien, enfermés, voilà, emprisonnés, bien évidemment. Et donc, il nous a proposé un deal, celui d'aller chercher quelque chose que lui ne pouvait pas aller chercher par lui-même, eh bien, sur le continent oublié. En échange de nous rendre la liberté. Bon, bien évidemment, voilà, on ne peut pas faire confiance à ce genre d'individu, donc je pense qu'il va y avoir un petit souci. Donc depuis la dernière fois, j'ai XP pas mal. Ah, coucou Mitch, ça va? Bienvenue sur le live. Alors je sais pas si t'es habitué de Final Fantasy, hein, je me souviens plus, la dernière fois je crois pas qu'on en ait parlé. Ça va tranquille, Dax, ça marche. Et moi? Ben moi, écoute, ça va. J'avance un petit peu aussi sur ce que je disais ce matin, sur mes démarches et tout. Et puis voilà, c'est parti pour 2-3 heures de live pour avancer dans Final Fantasy. J'essaie de m'arrêter à des moments. Bon, alors pour aujourd'hui, ça devrait aller parce que j'ai une autre partie demain. Mais le vendredi, j'essaie de me trouver un moment où je vais pouvoir expliquer en fait mes personnages pour être tranquille justement pour la suite de l'histoire en live. Histoire que j'ai pas à farm pendant le live parce que c'est pas très, très intéressant. Et donc du coup, bah, par rapport à la dernière fois, j'ai monté un petit peu les persos et les compétences. Donc surtout les compétences. Et donc là, vous voyez, les persos, ils étaient niveau 30 pour certains, ils sont passés au niveau plus de 40. Et Jidan, en fait, que je ne peux pas enlever de l'équipe, vous voyez, il est niveau 58. Hein, donc voilà. Donc là, on est parti pour aller à la mission, donc aller en ville. Et sachant que je ne peux pas retourner hein, sur le vaisseau, là, voilà. Donc, bon. Ah si, j'ai le droit d'acheter des trucs, je veux quand même acheter des trucs. C'est jamais. Voilà. Potions, j'en ai plus, donc... On va en prendre quelques-unes. Voilà, 85. Je peux pas rester, je pars bientôt au ping... Ah, mais je te laisserai... Mais je laisserai ton live, ça t'aidera un peu pour l'affiliation. Ah, c'est très gentil, merci beaucoup. Et puis, bah, du coup, bon sport, hein. Je savais pas que ça avait repris le sport dans les salles. Je pensais que seulement l'extérieur, c'était le cas. Mais du coup, c'est cool. Alors, cachet, j'en ai pas beaucoup. Oui, on va faire le stock. Des vaccins, j'en ai pas du tout. Ok, bah... Donc ça doit quoi? Soigner virus? Voilà, soigner virus, je sais pas ce que c'est encore. Ça va être le mystère. Ok. Bon, bah, c'est parti. Bah ça a repris, mais je peux pas jouer. Je viens d'avoir les antibiotiques qui fragilisent les tendons. Donc sport interdit, mais bon, je vais quand même pouvoir les... D'accord, ok. Bon, bah ouais, j'allais dire c'est déjà ça au moins, ça... Enfin, socialement parlant, je pense que ça doit faire du bien, quoi, parce que ça doit faire longtemps. Ah, je savais pas... Ouais, je savais pas que c'était ouvert et bah du coup... C'est quoi, t'es malade ou c'est à cause du Covid les antibios. Je vais attaquer. Même avec les mages, je vais attaquer direct. On verra. Faut peut-être le regretter. Thank you.
angine bactérienne qui passe pas depuis 3 semaines, donc le médecin a donné des médocs plus costauds. Ouais, d'accord. Ouais. Je vois. Ah bah ça se voit pas sur tes lives que t'as des problèmes de voix. Quand je suis passée, ça avait l'air à peu près d'aller. Bon après... Je pensais qu'avec les angines, on aurait du mal à parler. Alors... Petite visite, hein, mais je connais pas du tout. Pour avoir... Je me balade sur le continent. Oh! Ok... Des lézards moches. Projo. Ah oui, je me souviens, à la fin du live, du dernier live, on m'avait téléporté. Oui, après c'est surtout la douleur qui quasi continue. Ah d'accord. Oui, d'accord, ok, bon bref. J'espère que ça va passer. Ouais, bah j'espère pour toi aussi un bon rétablissement. Et bah va pas contaminer tes amis du coup quand même. Bon après j'imagine qu'avec le Covid maintenant c'est bon, on a tous adapté les distances de sécurité réglementaires. Mais bon. Ah là là. Bon. J'ai pas remarqué, il tient un bouquin dans leur main, c'est rigolo. C'est sans doute pour dire que ça doit être des mages. Oh. Voilà. Un petit coup de soin au prochain combat. Ouais. Alors. Ok. Et si je regarde la map de plus près, je dirais qu'il y a un chemin par là, là. Genre là. L'ambiance elle change. Hein. J'espère que c'est bon signe. J'ai pas fait gaffe si je devais aller plutôt à gauche, plutôt à droite. Ah non, un dragon. J'aime pas les... Enfin non, c'est pas un dragon, c'est un taureau. Faire une magie au pif, ça se trouve il va l'absorber, je vais être contente. Non, ça va, par contre ça lui a rien fait du tout. Bon courage à toi, logiquement le mardi et jeudi avec le sport. Je lèverai de 15 à 18 et le soir tard. Du coup, sur la 20 jours à 18h, je pourrai un petit rêve, ça aidera pour le feu. Ah bah merci beaucoup. Je prends note et on verra. On verra. Pour l'instant le mardi je live pas, hein, mais bon c'est pas fixe. Clairement. Et puis bah merci et puis bah bon courage. J'espère que t'arriveras à te soigner. C'est chiant les maladies qui traînent comme ça. Je sais, hein, je suis une habituée des sinusites alors. Alors des maladies à la con qui traînent. Salut! Salut Dark! Ouais. Là ça parle de maladies, oui! Mitchis qui est présent, ici présent, qui prend des traitements. Ah ben non, du coup c'est un statut qui se perd après la fin du combat, donc ça c'est bon. Alors, on regarde la map, il faut que j'aille plutôt sur la droite, hein, j'ai l'impression. Droite et après ça va... Alors. Je me fais aggro vraiment tous les 100 mètres. Hein. Encore une maison. Une maison boulée de canon. Ce qui est bête, c'est que tant qu'on n'a pas fait le scan, on sait pas quel nom ça a. C'est... Ah si, non. Pardon, j'ai n'importe quoi. Ça s'appelle une Bertha. Je sais pas pourquoi. Pour ça, vous, en vous souhaitant de vous rétablir. Ah, mais moi, ça va. Hein. Moi, ça va. En ce moment, je suis pas malade. Je touche du bois.
Je disais juste par contre que j'étais une habituée en fait des sinusites. Hein. Vous êtes sûr que dès qu'il y a un coup de vent, voilà, je commence à éternuer, voilà, j'en ai pour un mois. Bon, j'exagère à peine. Hein. Mais là, ça va. Donc, tant mieux. On va faire deux brésiers plus, hein. Les maisons ça brûle. Je suis complètement au hasard. Allez, maxi potion, nickel. Ah non, c'est pas elle qui a la coralline, donc elle va pas absorber. Alors, deux brésiers, j'espère que ça va être pas mal. Neuf. Ma commune. Ah bon, bah super. Plus j'ai plein de gil là, ça commence à devenir riche. Alors, j'espère que je prends le bon chemin. Je serais pas trop déterminée où je suis sur la map, hein, on va voir. Est-ce que c'est bien par là? Il y a quoi par là? Rien du tout. Ok. Là, ça a l'air pas mal. Je crois que je suis sur le bon chemin. Ah, un bob que je ne connais pas. Alors ça ressemble à quoi? Ah, une tortue taureau. On va quand même se soigner, un doute. Ah oui, c'est le nom du mob. Ok. Je sais pas, les tortues, c'est plutôt d'eau. Je vais faire un foudre. Maxi potion, ça c'est toujours bien. Bon. Déjà, il absorbe pas, c'est pas mal. Déjà, on va faire comme ça. On va attaquer. Shaker. Ah non, ça va être un truc de sol, ça. Hein. Ouais, d'accord. Vas-y, combien? Heureusement que j'ai mis l'objet qui permet d'absorber les dégâts de terre sur Slimer. Là, je suis contente. J'aurais pas. Bon, voilà des foudres. Foudre plus, ça fait combien? Ah, j'ai encore un problème de Night Boot. Ça marche pas du tout. Voilà. Je désactive. Jusqu'à ce que je comprenne d'où viennent nos problèmes. Ah, je me souviens de ce boss. Je suis pas sûre que ce soit un boss, hein. J'ai l'impression que c'est un mob comme on peut trouver en fait dans le jeu. Enfin, après, c'est la première fois vraiment que je le croise, mais ça a pas l'air d'être dans la configuration typique d'un boss. Ah, ça c'est la zone. Alors, comme toutes les zones, début de zone, on sauvegarde. On n'est jamais trop prudent, comme on dit. Alors, tac. Après, possible hein, qu'il y ait des boss qui ressemblent à ce genre de mob. Genre la version au-dessus. Alors, nouvelle ville. Ah. La musique a l'air bien. Par contre, l'ambiance a l'air inquiétante. Ah, il y avait un mug. Alors, mug post. Tu tombes bien, je voudrais te confier une lettre. Peux-tu porter ma lettre à Moguer? Alors, je sais pas où est-ce qu'il est, mais d'accord. Merci. Et c'est tout? Ok. Et mug boutique. Mais ils vendent des trucs trop bien, ce mug. Des trucs que je n'ai pas encore. Alors. Oui. 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 Ça j'en ai déjà. Ça j'ai pas besoin.
Il les a eu où franchement, il a que des nouvelles choses, c'est trop bien. Alors il m'en faut 1, 2, 3, 4. Non. On va en prendre un petit peu. Non mais non, pas de bon bouton. Bon. Allez. Ego bracelet. En fait j'en ai pas assez de ces trucs là. Hein. D'autres je vais quand même en prendre en rab. Non, non, non. Bouton de droite, voilà, on va y arriver. Chakra. Bon, je fais mes courses. Vu que j'ai plein de thunes, autant les utiliser. Bert et vert, ça c'est quoi faire que je fais ce truc là. Dire que j'ai XP pendant longtemps pour avoir récupéré déjà plein de compétences. Et là j'ai encore tout plein de compétences à avoir, j'imagine. Alors, kimono. Il m'en faut au moins 6, donc on va prendre 8. Voilà. Des plaques, on prend une en rab. Une armure d'or. Mais d'où il a tous ces objets, ce Kubo, là? Ça sort d'où? Maxi potion. Bon, après, ça, c'est standard. Attends, je vais m'équiper et après, on va sauvegarder. Parce que là. Alors. Genre, j'avais pas une nouvelle arme pour lui? Un béret vert, ok. Bon, j'ai pas de compétences, mais béret vert, c'est bien. Hein. Ça augmente un petit peu les différentes compétences, très bien. Pas un truc qui. Je baisse un peu ma force, mais en esquive, c'est quand même pas négligeable. Hein. Allez. Hop. Un kimono. Là, ça augmente ma force, ça baisse mon psy. Ouais, mon sens c'est psy. Bon, ça, je vais laisser. Ensuite. Là, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle arme. Et avec une nouvelle attaque. Parfait. Ensuite. Ouais, bah, ça augmente la force. Là, je crois que. Voilà. Nouvelle chose. Par contre, au niveau des compétences, je suis déjà OK. Nouvelle compétence. Ça c'est la prio, hein. Clairement nouvelle compétence. Alors là j'ai vu, voilà, nouvelle flûte. Tac tac tac. Alors est-ce qu'on prend un béret vert? Non, ça baisse la magie donc c'est nul. Alors on va prendre plutôt ça. Je sais pas trop en fait. Là j'ai le choix entre ça et ça qui augmente l'esquive. Non, on va prendre des skills magie. Ça changera pour les autres. Kimono. Augmente la force. Non. Alors, on va rester comme ça. Et ça, on va garder. Ensuite, je crois qu'il n'y avait pas de canne, effectivement. Ensuite, un béret vert. C'est tout mieux, hein, on va prendre. Hein. Bon, en fait, ça, j'en avais déjà. Ensuite, peut-être un kimono. Ouais, on va prendre un kimono. Allez, et maintenant, on va sauvegarder. On va faire une tente aussi. D'abord une tente. Voilà, j'adore ce moment où il y a la tente qui est posée là. Voilà. C'est vraiment... hors contexte, et c'est trop bien. Je trouve c'est trop trop génial. Allez, on sauvegarde, bien évidemment. Bon, on va écraser l'autre sauvegarde, hein, je sais pas non plus. Mais non, mais des fois, c'est dans des endroits vraiment farfelus. Tu fais, bon, bah, il y a la guerre à côté, il y a plein de mobs et tout, mais c'est pas grave, on pose la tente. Bon. Allez. Et bah, du coup, on va visiter, hein, on va faire les touristes. Non, il y a rien sur les côtés, là, il y a pas de. Il y a personne qui a laissé traîner un truc. Ça a l'air quand même désert. Moi je comprends pas pourquoi Koja il a pas pu passer quand même. Donc bon. Je sais pas où est l'embrouille. Ouais, mais bon, je suis. Enfin, clairement, hein, j'en ai loupé sans doute plein. Hein, donc si je les trouve, tant mieux. Et sinon. Putain, c'est quoi ces mobs? Quoi? Alors, bon, on va passer par là. On va essayer un petit brasier là.
Et on va les voler, voir des fois qu'il y a quelque chose d'intéressant. 200. Donc le feu, ça passe. On va attendre. Parce que Echo, je crois qu'en magie blanche, j'ai pas d'attaque. Ah si, peut-être Esuna, qu'est-ce que c'est? Annule. Ah. Bon. Non, j'ai rien. J'ai rien du tout. Genre, j'ai pas Sidéral, quoi. C'est dommage. J'ai voulu un désembrouille. Bon, c'est pas super. Lame S, ok. Bon. On va faire briser plus. On va pas l'attaquer. Franchement, payer des MP pour faire du 4, du 800 ou même enfin moins de 1000, c'est triste quoi. Alors, on va soigner. On va soigner Bibi. Toujours pas mort. Bon. Hop. Elle est sympa la nouvelle flûte là avec les petites branches, les petites feuilles et tout là. C'est cool. Alors, j'ai un statut à enlever sur Bibi. Qu'est-ce que c'est? Alors, état. Bon, j'imagine c'est embrouille. Embrouille. Alors, on va mettre un désembrouille, comme ça ce sera fait. De toute façon, j'en ai plein. Hop, voilà. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. Je serai clair, un petit truc. Non, tu n'as rien là sur les côtés, vraiment. Et là non plus. Là, je suis triste. Je vais tout ça pour ça quoi. Ouais, non mais j'essaie. Bon. Ah encore eux. Non, je vais attaquer direct. Hein. Je vais pas leur récupérer des embrouilles, ça m'intéresse pas. Je peux les acheter pas cher à côté. Et là, on va faire un soin plus. Voilà, surprise monde. Ah, je peux en faire deux. Et un soin normal, voilà. On t'attend ce point. On l'attend ce point d'exclamation. Bah ouais, clairement, mais là il est pas. Hein. Abonné absent. Hein. Malheureusement. Alors. Les... faire ça. Allez. Oust. Vol raté en plus. Non mais... Bon. C'est l'entrée. Ah. Ouvre-toi, sésame, ouvre-toi. Comment on va ouvrir une porte pareille? Bon, en fait, si, il suffisait de demander. On est attendu. On est très heureux d'être aussi bien accueillis. Ouais. Moi, je sais pas, hein, y a que moi qui m'inquiète. Je veux dire, tout est vide. Et la porte s'ouvre, enfin... qui était censée fermer, s'ouvre toute seule. Moi, je... On dirait le début d'un film d'horreur. Ah, mais il y a un coffre là-bas. Si je peux y aller. Voilà. Il y a un coffre aussi au-dessus. Allez. On perd pas les bonnes habitudes hein, quand on est chez les gens. D'abord.
eh ben, on récupère les affaires qui traînent, quoi. Hein. Ça leur apprendra à ranger. Bon, c'est quoi Ninja Sun? Qu'est-ce que c'est? Oh, pire. Non, après, j'ai une super réputation. Ça me fait penser à un Zelda ou... Je crois que c'est Link's Awakening. Où tu voles, en fait, chez le marchand. Et après, il t'appelle... je sais plus comment il t'appelle. Vaurien, je crois. Et du coup, pendant tout le jeu, il... Bonjour, Vaurien. Voyou. Voilà, exactement, voyou. Tout à fait. Je trouvais ça génial. Ouais. Par contre, je sais pas si j'ai volé un truc. J'ai pris ton truc. Je sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est dans les trésors. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Non, faut pas utiliser, je veux voir ce que c'est. Ninja. Je vois pourquoi ça arrive pas tout en bas. C'est bête, hein. Ce serait quand même plus simple pour trouver les affaires. C'est une arme pour le rouge. Peut-être. Ah oui, effectivement. J'avais pas fait gaffe, c'est un truc à balancer, j'ai l'impression. Ok. Bah, bien vu. Alors. Nous avons les mêmes mobs ici qu'à l'extérieur de la zone, donc. Donc ça, c'est des ogres. D'accord. Okay. Je pense à cause des dents. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je peux pas? J'ai mutisme? Ah non, c'est peut-être parce qu'on... Mais oui, mais oui. J'ai compris. Ok. Bon, bah j'espère que ça ira. En fait, comme la zone est interdite à la magie, c'est bloqué. Ouais, effectivement. Donc, mais j'ai la moitié de mes persos qui vont faire de la figuration. Ah, mais je pensais pas que ça allait être aussi radical, en fait. Alors... Ah. Genre, il y a un mécanisme avec des bouboules. Voilà. Il y avait un point d'exclamation tout à l'heure. Hein. Mais... Non, je peux pas le désactiver. On se balade, hein. Il y a un mug. Il y a Stiskin aussi. Alors, on va lui payer, voilà, pour qu'il continue son voyage, bien évidemment. Hein. Maxi potion, émeraude, élixir. Merci, ça me paiera mon prochain voyage. Bah, de rien. Je trouve qu'il y a quelque chose de louche dans l'affaire de la mock post. À quoi elle rêve? Artemisio. Ah oui, c'était le fameux chocobo qui perdait les courriers. Ah, donc Moguer. Moguer, voilà, à qui on devait amener une lettre. Merci de m'avoir apporté cette lettre de Mimosa. Ces derniers jours, Artemisio ne porte plus de lettres. J'étais très triste sans lettre. Je vais la lire. En ce moment, il y a vraiment peu de courriers. Pour Kumbu, Moguer, je peux te demander d'aller faire une réclamation au siège de la mob poste. Je suis vraiment en colère. Quand elle s'énerve, Mimosa est vraiment affreuse. Mais où est-il, le siège de la mob poste? Oui, elle peut pas me donner de lettres. Okay. Bon, propose la sauvegarde, alors je sauvegarde, hein, c'est devenu automatique. Ah, ça sent la micro, le ciel de la mock push. Moi je sais pas où c'est. Hein. J'aurais dit là où il y avait la cloche, hein, où j'ai récupéré ma première lettre, mais et là où il y avait... Oh, qu'est-ce que c'est? Rob Gaia.
Moi, je pense que c'est Alexandrie, mais bon. Tant de doute. Une robe. Aspire. Alors, par hasard. Voilà. Je me disais bien que c'était un sort de magie noire que je ne peux pas utiliser pour l'instant. Bien évidemment. Tu verras, mais je crois que c'est dans une contrée lointaine. Bon, par contre... Ah, c'est un... Ok. Raté. Doppelganger. Alors, il va se multiplier en combien? Ah oui, non, c'est... Ah, c'est pour ça qu'il disait que j'allais me battre moi-même. D'accord. Ok. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais il est mort, Jidan, de toute façon, là, arrête. Ah, ça va, il fait beaucoup moins mal que le vrai. Hein. Ou sinon, j'ai une sacrée défense sur Echo. Et là, ah, il faut que je tue Jidan quand même. D'accord, ça a l'air d'être quand même un clone un peu moins puissant que la version d'origine, donc c'est déjà ça. Par contre, je récupère plein d'objets, c'est cool. Alors, objet. Revenez. Oui, ils ont été radins là, dans les runes. Contre-G, tout, voilà. Non, je vais revenir, voilà. Toxipotion. Donc, on va aussi mettre des potions. Tout là, c'est un petit coup. Et là, un petit coup ici. Voilà. Ok. Je sais pas ce que c'est. Ah, je peux aller au milieu? Ah, il se passe un truc, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc étrange au plafond? L'arabesque sous mes pieds et cet objet au plafond, c'est un peu trop pour éclairer cette salle. Pour des expériences. Il n'y a pas de porte là? Ouais. Ok, donc il y a un endroit où je suis pas allée encore dans cette maison. Là, il n'y a rien. Pour l'instant... Là. Diamantine. Ok. Ah. Il se passe quelque chose. C'est une étoile. Des lettres. Terra, planète, mer. J'arrive pas à déchiffrer toute la phrase. Tu peux vraiment lire ce qui est écrit? Je lis pas cette phrase, c'est plutôt elle qui me parle. Mais j'ai une sensation vraiment étrange. Il se passe des trucs chelous quand même. Bon, je vais voir si j'arrive à atteindre d'autres coffres déjà. Hop, très important coffre. Carapace. Alors, j'ai plein d'objets et plein de nouveaux objets là. Alors. Diamantine et carapace. Ok, alors, j'imagine que c'est pour ça, ouais, okay. Les diamantines, c'est l'arme que j'ai déjà, ah. Et donc là, je peux aller là, ou en bas, bon, vu que je suis là, on se balade, hein, on fait le tour du proprio, ah. C'est un laser, là.
Et il y a une boule. Il y avait un point d'exclamation. Allez. Non. Ah. Cette boule a l'air louche. Non, non. Moi, j'ai ça, moi, dans mon appartement. Ça marche pas. Ah. Bon. Passons. Il y a pas mal d'affaires appliquées. Un bloc de 7 lieues, donc ça je les ai déjà. Et tu as un point au-dessus de la tête quand tu tombes. Ouais, à chaque fois que j'ai un objet intéressant ou voilà une interaction, ça fait bip. Brutel. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là 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 là. Bon, après, il faut quand même avouer que. C'est bien fait, enfin je veux dire, si dans le jeu il n'y aurait pas eu des points d'exclamation sur les points un peu intéressants, je pense que, voilà, je pense que on n'aurait pas réussi à faire le jeu quoi. Parce qu'il y a des jeux, il faut tout deviner, hein, c'est vraiment chaud quoi. En contre-attaque, en redéfense, c'est un killer. Est-ce que... ça serait impossible? Ouais, ouais, clairement. Mais il y avait des jeux... bon, je pense que les tout premiers ou certains un peu mal conçus, voilà, c'est pas arrivé. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça marche pas. Il y a peut-être un ordre à suivre. Oh non, je vais devoir me balader dans la maison là, avec. Ça marche pas, il y a peut-être un ordre à suivre. Et là, il n'y a rien. Ah oui, d'accord. Forcément, hein, je... celui que, par lequel on doit commencer, c'est le dernier que je prends. Hein. Évidemment. Ouais, je vais faire aggro par ces trucs-là. Toutes les 10 secondes, après, ça va être chiant. Alors... Ça c'est bon. Alors, lui, point d'exclamation, là c'était bon, hein. Au 10, c'est au tour par tour. Génial, ça marche. Vaisseau antique. Le plus ancien du monde. Je vois, il faut les manier dans un certain ordre. Peux faire une pause pendant les combats. Ah oui. Bah après, je peux aussi faire une pause dans les combats si j'ai envie. Je me bloque en fait sur, par exemple, dans magie, dans le menu, et après ça bloque le combat. Hein. Mais bon. Ah mais d'accord, super lord. Architecture navale de très bon niveau. Donc en fait, il va vouloir récupérer un vaisseau pour se barrer de la planète et aller sortir un. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, hein, le but de Kuja, du coup. Vaisseau armé, premier exemplaire, invincible. Non, on va vraiment lui laisser ça. Prototype raté. Ah. Vaisseau armé, invincible, premier modèle. Actuellement utilisé, modèle amélioré. Ah d'accord, j'arrive ici. C'est tout. Peut-être que maintenant faut que je retourne. Faut que je retourne et ben dans l'autre pièce où il y avait la grosse boule. Ah, coucou Sam, merci pour le follow. Alors. Ah, putain, lui, je l'aime pas. On va essayer de vite s'en débarrasser de ce truc là. D'accord, il invoque même des persos qui ne sont pas dans ma team actuellement. Et là, c'est tombé sur Freya.
Voilà. Quand tout le monde est à l'attaque, ça se passe bien. Je retourne bosser, mais c'est fait. Mais ça, c'est fait. Ok, ça marche. Merci d'être passé et bah merci pour les encouragements. Alors, on va retourner voir la boule là qui était inactivée. Peut-être que ça fait quelque chose. Pas du tout. Enfin... Ah si, il y a une petite lumière là. Ah, les lettres ont disparu. Ah ! Naissance de la ville. On se pose des questions. Elles ont encore disparu. Ah ! Il y a des belles images. Comme une diapo. Période prospère pour la ville. Trop florissante, épuisée, en voie de disparition. Ah, c'est l'histoire en fait de la zone ou de la planète, non ? Des images de la ville devenues désertiques, c'est un... Bah voilà, moi c'est ce que je me dis, on va voir. En pleine prospérité, les villes existaient sur Terra. Non, ça doit être Terra et peut-être que cet endroit-là, c'est un point genre de téléport avec l'autre planète. C'est des hypothèses, hein. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Je réfléchis à voix haute. Bientôt, les villes s'affaibliront et disparaîtront. Ok. Alors ça se trouve, on est peut-être sur Terra. Hein. On ne sait pas. Hein. Mais ça a l'air d'être des trucs un peu anciens. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et apparemment, il y a Jidan qui peut le lire. Et d'après ce qu'on a vu dans les anciens lives, il a quelque chose à voir avec Kuja. Enfin, ils sont plus ou moins liés, mais on ne sait pas encore de quelle manière. Quoi. Puis de toute façon, il a une queue de singe. Hein, donc on se doute qu'il est un peu différent des autres humains. Mais alors en quoi? Et ça? Ah, ça s'ouvre. D'accord, je pensais pas que ça allait s'ouvrir. Ah, pas du tout flippant ici. Ça me fait penser... Ah non, mais je risque de spoiler. Ça me fait penser à un moment dans Game of Thrones. Donc ceux qui ont vu Game of Thrones assez avancés, ils savent de quoi je parle. C'est quoi cette salle? On peut se poser des questions, effectivement. C'est comme s'ils nous regardaient méchamment. J'ai un peu peur. En plus, ça bouge. Encore un monstre. Attendez, il dit quelque chose. Visiteur, montez sur la pierre juste devant vous. Cette fois, j'ai compris ce qu'il a dit. Je peux en faire confiance? Non, non, les mecs, on s'en... Je pense qu'il transmet ses messages directement à nos consciences. Allez, on monte sur la pierre. Mais non, c'est de l'autre côté. Coucou, bienvenue au bal masqué. Ouais, non, mais pas de problème, on y va, quoi. Mais bon. Visiteur, écoutez bien. Je vais vous raconter la genèse de notre civilisation. La dégénérescence des espèces n'avait aucune importance pour nous. Toute espèce animale et végétale est... tant que disparurent. C'était à cause du vieillissement de notre Terra. Pour vaincre ce vieillissement devint notre seule mission. Manque des mots, hein. Pour elle, nous réunîmes les meilleures technologies de la civilisation de Terra. Le premier essai eut lieu sur le continent de... Cependant, il échoua. Après le premier essai raté, nous trouvâmes un élément indispensable. Nous prisâmes la cible. Au prix de 4 sacrifices, nous gagnâmes enfin l'éternelle prospérité. Pourtant, ne se réveille toujours pas, alors que toutes les espèces animales et végétales sont ressuscitées. Nous espérons que la technologie se sera bien développée. Pour raconter l'histoire de Terra d'une génération à l'autre, nous avons été créés. Ouais, c'est ça, c'est des livres d'histoire en fait. C'est des livres d'histoire, mais il y a des textes... C'est texte à trous, quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est ici?
Jiden a pu lire les lettres inconnues. J'en sais rien, mais c'est pas le moment. On est là pour sauver nos amis. Donc Jiden, il n'a pas du tout envie de réfléchir au truc. Toi, il sent que la vérité risque peut-être pas de lui plaire. Dépêchons-nous de trouver ce truc. Moi, je veux remonter. Je veux réécouter. Bon, c'est un peu bizarre quand même. Hein. On va repasser par là. Je vais plutôt par l'autre côté, ce sera plus simple pour... Non. Ah là là. Par là... Ça s'est peut-être débloqué du coup. Hein. Non, pas de point d'observation. Ah, voilà. L'air a un peu changé. C'est comme l'étoile de tout à l'heure. Ah. Quoi ? Une autre étoile ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, c'est Skin, il est déjà parti, quoi. Il fait des aventures, mais il a loupé le plus intéressant. C'est Mick. Ou une molécule d'eau. Ça peut le faire, là. En plus, j'allais dire, je crois qu'il y a à peu près les bonnes couleurs. Hein. Enfin, le rouge. Pour la petite bouboule de gauche. Plutôt par là. Ah non. Je sais plus. Bon, on va pour le Mickey. Et non, je peux pas aller par là. Non, non, je suis obligée d'aller de l'autre côté. Ok, c'est un peu bizarre. Ah, donc là, il y a bien une interaction maintenant. Ah. C'est ça que Kusha. Allez, on le prend et on part vite. Là, il va y avoir un boss. Quelque chose vient par ici. Bouf. Alors. Et je vais combattre un vaisseau. Ok. Et sans magie, j'imagine. Ah, c'est ça. Ok. Objet. Enfin, la maxi potion, c'est 300 PV, quoi. C'est un peu triste, quoi. Ok. Renvoie. Ok. Faire troisième œil. Je sais pas ce que c'est que ça. Je vais essayer. C'était peut-être pas une bonne idée, mais je vais essayer. Alors. Bretelle. L'attaque a échoué. D'accord. Mais. J'allais dire, mais ma maxi potion elle est passée où là? Bon. Ah non, c'est 450 PV, pas 300. Alors, permet ça, tu projettes la force pour te provoquant de rouille, on s'en fout. Fonction de la chance du personnage.
lancer une attaque mystique. Bon, on va essayer ça. Ça va peut-être pas marcher, hein. Si aucune des attaques fonctionne... Qu'est-ce que ça fait, ça? Je suis en train de tester les différentes attaques, hein. Je les ai jamais faites. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? 4000, c'est trop bien. Bon, par contre, je suis en lévitation, je sais pas si c'est une bonne chose. Ah, petit. Non, par contre, le Steiner, je crois que voilà, ça fait la deuxième fois que tu rates un truc. À coup fait, on est fait. Hein. 4000, c'est bien. Ah. Voilà, on va attaquer avec Steiner parce que ses attaques ne fonctionnent pas. Et on va continuer d'utiliser des potions. Non, toujours pas. Hop, maxi potion, bah, sur écho. Tac. Ouais, c'est mieux 1700 que 0. Hein. Trombe, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est ce qui me faisait TP là. Enfin, l'EVT, pardon. Coffret. Hein. En plus, ça coûte pas très cher en MP coffret. 8, c'est pas mal. Pour 4000. Hop. Sur Bibi. Bon, je tape toujours du 4000, ouais, je tape toujours du 4000 en plus, c'est pas mal. Bon, bah nickel! C'était. Je pensais que ça allait être vraiment plus laborieux avec deux magies avec moi. Finalement, ça passait. Ah, et bien plein de. Et une nouvelle gemme, youpi! Ça va être des nouvelles capacités. Bon, cette fois, je peux prendre l'objet, hein. Je vais quand même faire un gros. Il faut vite retourner au palais du désert. Rock de Gould. Ah. Quel sale type ce Kuja. Qu'est-ce qu'il veut faire? Cependant, je ne pensais pas qu'il était aussi redoutable. Comment peut-on le battre? Vos chants vous conviennent-elles? Tidal est à mes ordres parce qu'il veut vous sauver. Pourtant, je n'aime pas tenir mes promesses. Par contre, j'aime bien faire souffrir les gens. Alors, je voudrais offrir à chacun de vous un cadeau spécial appelé mort. Dans ce beau palais, il y a un grand sablier. À mesure que le sable coule, le plancher s'ouvre petit à petit. Comment trouvez-vous ce mécanisme? C'est fantastique, non? Rien qu'en retournant le sablier, vous serez sauvés. J'espère que Tidane reviendra avant que le dernier grain ne soit tombé. Vous partirez dans environ 10 minutes. Priez pour que Tidane soit votre sauveur. Adieu, adorable imbécile. Ha 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 ha. Rire sarcastique. Le lâche, il n'a donc vraiment pas de cœur. Adieu. Adorable imbécile. Bon Dieu, je ne peux pas le laisser faire ça. Bon, il n'y a que moi qui puisse les sauver. Quoi, 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 quoi. J'ai obéi aux ordres, j'ai retourné le sablier, je l'ai bloqué et j'ai rangé la clé. Nous faisons des choses qui ne sont pas bien ici. Quel rapport y a-t-il entre le fait que nous nous arrêtions et ce que nous faisons ici? Mais bon, il nous faut vite rentrer. En partant, il faut encore faire fonctionner ce mécanisme, je ne comprends toujours pas comment il marche. En fait, tu n'as qu'à mettre le feu partout, ce n'est pas difficile. Allez, on y va. Non, non, il y a des gens là-bas. S'il vous plaît. Ah, et maintenant je gère la grenouille.
Ça, c'est trop bien. Boing, boing. Ah non, on est pressé, on a dit. Et en vrai... Ah non, ok. Je voulais voir si... une quelconque interaction. Boing. Non, ce n'est pas le moment de les poursuivre. Je dois me dépêcher de finir ce que j'ai à faire. Boing, 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 boing. Oh non, mais... trop bien. Il y a un timer, ok. C'est sûrement la clé dont il parlait, crois. Appuyez sur A pour avancer. D'accord, ok. Tant que ces terres sont rouges, me regarde, il vaut mieux que je reste immobile. D'accord. Je sens que ça va être très long. Non. C'est pas grave, on fait petit à petit. Mais non, mais je clique une fois trop là. Oh là là. Bon. La musique qui va pas du tout dans le contexte par contre. Moi je trouve pas ça drôle. Allez, je suis à un quart. J'ai le temps encore. Hein. Par contre, il se rend pas compte que la grenouille, elle avance quand même. J'ai passé l'âge de jouer un 2-3 soleils, moi. Je suis pas là. Je suis presque. On va essayer pas la grille là. Hein, doucement. C'est bon, on y est presque. Il y a le temps. Concentration maximale. Clé du sablier. Voilà. Facile. Ah, c'est pas fini. Il y a une balance et quatre poids. Examiner la balance, examiner le poids. Mettre des poids sur la balance de gauche, monter sur la balance. Examiner la balance. Quelle grande balance. On pourrait y mettre trois poids au moins. Pour arriver au sablier, il faut monter sur la balance. Examiner les poids. Donc ça, c'est des petits trucs, là, j'imagine. Ok. C'est un poids de bois. Oh non, vas-y, un poids de cuivre, un poids d'acier, hein. De terre cuite. Un poids de pierre, et un poids de fer, ok. Bon, mettre des poids sur la balance de gauche. Alors, quelle combinaison de poids? Bois, pierre... quoi? Je sais pas pourquoi il y a les flèches en fait. Je sais pas, ça donne quoi ça? Si, je comprends pas trop le truc. Ah, je me souviens de ça aussi. Qu'est-ce qui va se passer là? Ok, bon bah faut mettre les plus lourds quoi. Enfin, mettre les poisses. Eh ben je voudrais fer s'il vous plaît, et puis pierre.
Pierre quoi? Oui, c'est ça. Je pensais pas qu'une grenouille c'était aussi long. Alors. Non, toujours pas. J'avais pris quoi en premier? J'avais pris celui-ci. Terre, pierre, fer. Ah non, j'avais pas. Non, c'est celui-là en fait qu'il faut que je prenne. Sans le bois en fait. Voilà. Là, je prends a priori les trois plus lourds. Je dirais que le bois c'est le plus léger. Ah ouais, mince. Ah là là, ça va pas être bon là. Je vais. Vas-y, vas-y, vite, vite, vite. Non! Ah là 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 là! Bon, allez, c'est parti. Allez! Mais non, il s'est retourné super vite là! Allez! Bon. Bon, non, mais ça sert à rien d'être pressé. J'ai déjà perdu plein de temps la première fois à cause de ça. Voilà. On prend son calme, on respire bien. La manette turbo. Qu'est-ce que c'est que ça? Je déteste ce jeu. Voilà. C'est officiel. Concentration. Ouais, hein, insiste pas sur le croix de soleil. J'ai arrêté de respirer en fait, je me suis pas rendu compte tellement je suis concentrée là. Ah là là. Allez, c'est de l'autre côté que ça se passe. Moitié du chemin. Après c'est bon, on connaît la combinaison de toute façon. Non, on me perturbe pas. Le dernier petit mouvement là, j'ai cru que ça allait me griller. Hein. Allez, encore un petit chouïa. Voilà. Bon, maintenant. mettre des poids. Donc on... Ah oui d'accord, maintenant c'est Osef quoi. C'est... Donc moi je veux tout sauf le A.
J'espère qu'ils ont pas changé en fait les noms des. Genre que le bois c'est plus. Enfin, j'espère que c'est toujours celui de droite. Pensez que les développeurs ils seraient fourbes à ce point-là. Allez. Oui. Victoire. Maintenant, je n'ai plus qu'à retourner le sablier. Comme ça, tout le monde sera sauvé. Ils sont sauvés. Bah, en gros, va falloir rester là et tourner le sablier tout le temps, non? Ah non. Finalement, je suis sauvé. Et là, je plante. Non, en plus, j'ai pas sauvegardé. J'ai pas sauvegardé en plus le boss, quoi. La dernière sauvegarde, c'était avant le boss. Hein? Et vous n'avez rien? Oh, vous n'êtes pas blessé? Il me semble connaître cette voix. Serait-ce le roi Cid? Réchapper de 1000 morts. Cela correspond bien à notre cas. Ça a été difficile, crois, mais l'heure n'est pas aux félicitations. Quand même un peu, hein, parce que... D'après les deux mages noirs, il y a un mécanisme au-delà. Il disait, en fait, tu n'as qu'à mettre le feu partout. En tout cas, il nous faut vite sortir d'ici. Ah. C'est sûr que ça ne sert à rien de s'attarder ici. Manque pas quelqu'un là, non? C'est bon, on a toute l'équipe. Je suis peut-être trop faible pour surmonter cette situation toute seule. Si nous unissons nos forces, nous pourrons nous débrouiller. C'est vrai que j'ai tout plein d'équipements maintenant. On va lui mettre. Voilà. Ouais, il y avait un mug trop abusé. Bah oui, hein, ça a l'air pas mal ça. Alors. Alors là, normalement, j'ai une nouvelle fourchette. Très important. Force. On va voir. Non, il n'y a rien d'autre à prendre. Bah, ok, va pour le béret vert. Ah, c'est moins bien que ce que j'ai déjà. Donc, ça, on va laisser. Ça va augmenter quand même vachement la défense. Je vais mettre le kimono. Alors. Et ben on va mettre la nouvelle griffe. Ensuite. Ouais, on va augmenter le béret vert. Ça augmente beaucoup la précision. La protection. Ensuite, nous avons. Ouais, on va peut-être mettre celui-ci. Là, les stats. Le delta des stats est quand même meilleur. Allez, va pour un kimono. La bretelle, ça me fait rien à prendre de plus. Okay. Je vais pas leur mettre d'objets complémentaires, je sais pas trop. Par contre, on va voir les compétences. Les compétences, on va enlever ni chaud ni froid. Et on va mettre obscurité, oui, sinon on pourra pas attaquer. Et puis je sais pas trop sur quel mob je vais tomber, donc on va laisser comme ça. Alors ensuite, niveau plus, oui, on va enlever ni chaud ni froid. On va mettre mutisme hein, sur Quenna vu qu'elle peut lancer des sorts. Nous avons quoi? Ni chaud ni froid. En fait, ni chaud ni froid, je l'avais mis parce que j'avais XP dans une zone voilà, fraîche, on va dire ça comme ça. En fait, on va plutôt mettre ça. Obscurité, ça va être plus juste. Non. J'ai pas besoin de compétences plus. C'est quoi champion? Augmente les chances, oui. Clairement. Alors,
Alors Daga, c'est un peu particulier, elle a plus de... J'allais dire de limite break. Enfin, de transe, hein. Depuis qu'elle a perdu la parole. Je vais enlever pareil, ces deux-là. Enfin, peut-être que je vais le regretter. Hein. Là, je trouve ça très bien. Et ce système... Oui, j'avoue que j'aime beaucoup moi aussi. C'est pas mal. J'aimais beaucoup aussi les matérias dans Final Fantasy VII. Mais bon, là, c'est des souvenirs d'il y a 20 ans. Alors, j'aimais bien à l'époque. Donc là, je saurais pas dire. Mais en tout cas, clairement, c'est pas mal. En plus, le nombre de capacités, de points de capacité augmente en fonction du niveau. Ça permet de mettre de plus en plus de... Pas de capacité, donc c'est très bien. Ça permet aussi de voir en fonction des situations, voilà, pendant les périodes de farm. Je peux mettre compétences plus et niveau plus sans souci. Non mais ici, il y avait un mob méchant. Je voulais me venger. Je peux pas. Il y a un coffre? Non, c'est un faux coffre. Il est où le mob méchant, là? En fait, c'était dans la tête de la grenouille, en fait. Il a halluciné. Allez, moque poste. Ah, tu tombes bien. Je voudrais te confier une lettre. À Moguerlin. Ou Mogverlin. Désolée si je prononce mal. Merci beaucoup. Ok. Tante, je pense pas que ce soit utile, Mog Boutique, hein, parce que des fois il y a des petites surprises. Hein. Annie Jason. J'en ai qu'un seul, alors je sais pas combien je suis censé en avoir. Ok. Alors des maxi potions, je vais en prendre un petit peu parce que je vais utiliser pas mal. Ça a l'air bon. Bon, il y a un mog, ça veut dire qu'il va se passer un truc. Non, mais surtout entre le boss et surtout la clé là à récupérer, on va se garder. On va prendre le risque de perdre ces moments. Ça serait bête que je refasse tout ça, quoi. Non mais en plus c'est bien, voilà, là il y a une petite chambre de torture, j'aurais bien mis le mob là-dessus là. Mérité. Allez, on passe à la suite parce qu'apparemment il va y avoir le feu. Alors par hasard, je peux pas retourner dans une cellule voir ce qui se passe? Non. Non. Ah, bon bah non. Dommage, dommage. Alors, bon, pas tout ça, il y a quand même une histoire à suivre. Ok. Palais du désert. Bah finalement, j'ai peut-être bien fait d'avoir coupé mon équipe avec deux mages et deux physiques, parce que là, du coup, j'ai l'autre équipe. Si j'aurais mis tous les physiques d'un côté, tous les mages de l'autre, ça aurait peut-être été un peu triste. Non, Kuja, il laisse pas traîner ses affaires? Ah si. Don de la force. Gardien du palais, enlever la force capable de neutraliser les éléments de l'anneau offert à la divinité. Bah oui, on va l'examiner. Même pas peur. Obtenu alliance. Alors, on va directement peut-être aller dans les équipements. Parce que j'ai un truc qui s'appelle alliance. Non. Qu'est-ce que c'est ? Remonte. Ah, je suis allée trop vite. Ah. Ah oui. Bien vu. SPMP, élément 0, échappée belle. Ok, alors... Je fais très bien ça. Non, genre, elle a pas SPMP. Qui pourrait avoir SPMP à part Bibi? Mais Bibi, il est pas là. Donc là, j'ai SPMP. Et élément 0, je sais pas ce que c'est, ça, par contre. Mmh.
Alors, on va mettre sur Quena pour qu'elle ait esprit MP. Et les autres, on va leur mettre des trucs au pif. Quoique, normalement, il y a peut-être une pierre pour Daga, non ? Non. Je croyais. Je croyais, mais non. Ah, si. Turbo. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tout le monde peut la prendre, Turbo ? J'ai l'impression que c'est une pierre pas standard. Ah non. Qui peut apprendre Turbo ? Bon bah va pour Freya, hein. Pour attaquer plus vite, il me semble. D'accord. Après, ça sera pas mal intéressant parce que comme elle a le saut et que ça se fait en deux temps. Ah mince, non, c'est pas du tout pour elle. Pas du tout, j'ai rien dit. Du coup, c'est sur Dag que pouvait y avoir Turbo. Donc pour soigner plus vite. Voilà. Par contre, 190, on va peut-être refaire les compétences là. Parce que 190, bon, ça commence à faire beaucoup. Otage de stuff, aussi des prêtres. On va mettre une compétence plus. Bah j'ai pas vu. Mais après bon je l'ai mis sur... sur Quena aussi qui a besoin de points de MP. Donc bah dès que ce sera fini avec Quena, je le mettrai sur... De toute façon sur un autre, hein, pas de soucis. La vision de la déesse, la lumière vous guidera. Je sais pas, on va pas avoir les mêmes... Les mêmes dieux. La vérité du diable. Les perles à l'écart... À l'éclat écarlate sont la preuve de la force. Le contact de vos mains impures leur rendra leur éclat. Il y a des bruits chelous quand même dans ce palais. Ah ouais, ça a bougé, hein. Ah, la tête bouge en fait en fonction de comment moi je bouge. Chacune possède sa propre force. Non, tu ne bouges pas. Je croyais que ça a bougé. Ouais, mais normalement, enfin, les caméras elles bougent pas dans Big Brothers. Là, il y a eu un bruit quand même chelou. Alors, je vais tomber sur quoi ? Un truc à manger ? Sauron. Ouais, j'ai plutôt l'impression, hein. En plus, bon, dans le palais déjà. Ouais. Qu'est-ce que. Vous croyez que ça se mange ? Ils sont trop en plus, trop compris d'un. Hein. Rouge matériel. Alors, magie blanche, ici on a le droit d'utiliser la magie. Des macarons. Ouais, on dirait vraiment ça, hein. Franchement, clairement. Alors, avant de manger. Niveau 30 quand même, bon. 3200 PV, sensible à feu, et sensible à glace, et sensible à tonnerre, décidément. Ok, donc 3000. J'ai fait 60! Ah! Ah mais non mais d'accord, ok. Donc en fait il doit avoir une... Qu'on appelle ça une def de fou, il faut que je les tape par magie. C'est ça, ça va être triste. Hein. Ah, ils sont niveau 30. Ouais, mais là je vais pas pouvoir les manger en fait. Il faut que... Niveau 30 je peux faire percer. Est-ce que ça va marcher par hasard? Ah putain, je fais plus 50. Ça a marché. Ça, c'est une bonne chose. Alors, du coup... En fait, il y a Quena qui va faire le game. Non, qu'est-ce que tu fais? Oh là là! Alors... Cannibale. Donc ça normalement lui il a plus qu'un PV hein. Parce que ça n'a pas marqué raté. C'est pas bon miam, d'accord. Et alors là peut-être qu'en dragon. Ah coucou Oni. Eh ben bon courage pour le taf et merci d'être passé, c'est cool. Et d'avoir fait un petit coucou. Affiche fleurie.
Non, et y a pas un truc qui fait mal, on restaure les MP. Ouais, on va faire ça, je sais pas si ça marchera mieux que l'attaque de base. Non, je sais pas quoi faire du tout. Ouais, c'est pas mal. Un rotateur, on va essayer. Ok, bon bah voilà, je sais que cela faut que je fasse des attaques spéciales, des mobs, parce que des attaques au cac ça marche pas du tout. Hein. Ah oui, voilà, il y a bien la tête qui a bougé là, je l'ai vu. Il y a un escalier qui vient de se créer là. Bon, je pensais peut-être qu'il est passé par là, mais non. Ok. Prends l'escalier bleu. Mais ouais, mais il est pas là. Je... Ah non, pardon. Pff, c'est là. Non, mais je suis bigleuse. Qu'est-ce qui se passe? Genre, il y a un objet. Ah, j'allume les chandeliers en fait. Je refais la déco chez Kuja. Mais c'est tout? Faut que je retourne peut-être en bas, non? Non, parce que là il se passe rien du tout. Hein. Faut peut-être revoir la statue. Voir la statue. Ah voilà, des nouvelles babettes. Alors, pour ça, on va faire un petit scan comme d'habitude. J'ai aspiré ton cerveau. Ok. Genre, les deux tiennent dans l'escalier. Apparemment. Niveau 30, 3000 et quelques PV, démon. Créature volante, sensible à vent, sacré, j'imagine. Non, même pas. Bah, du coup, je vais plus attaquer. Si j'attaque avec le micro. Ils font mal ou ils font pas mal? Déjà. Bon. Ah oui, d'accord, ok. Ok, c'est trop tôt. Tétanie. Ils sont pas cool ces mobs là. Hein. Ouais, bah. Tiens, j'aurais été sûre que j'allais m'en mordre les doigts. Ah, mais putain. Ah là là là. Et genre, je peux fuir. En fait, il me reste plus que Quenna de Valab. Objet. Non mais... Ah bah... Pff, qu'est-ce que tu fais là-dessus Invisibilité. D'accord. Non mais on va le remettre, on va le remettre la tétanie. Ah donc ok, du coup elle lance sa magie qu'elle aurait dû lancer tout à l'heure. On va faire cannibale, mais je pense que, je sais pas si ça va marcher sachant qu'il est... Mais non, elle a fait un coup critique. j'ai pas mangé, je suis triste. Bon. Alors. Maintenant qu'on sait à peu près contre qui on se bat. Qu'est-ce qu'on a? Donc dragon, non. Ça c'est volant, donc pas laisser. Insectoïde, non. Mort-vivant, oui. Maléfique, ah. Non, c'est plutôt ça. Humanoïde, bon, j'en ai pas spécialement vu. Alors, on va remettre ça. Et après il y avait... ça, elle est protégée sur pétrail fossile.
Sorcière. Ah, c'est... J'ai pas vu d'insecte, hein, donc... Et ça... Je peux essayer ça, peut-être que ça augmente mon esquive. Alors, ensuite... En vrai, je devrais enlever contre-attaque, mais bon... Faut que je laisse mutisme, morphée... Donc toxique poison, on s'en fout... Pétrin, on va remettre... On va enlever morphée... Ah, récupère des MP utilisés par l'adversaire lors de ses incantations. C'est cool, mais ça coûte cher. Hein. Donc on va réutiliser ça. J'utilise pas trop pour l'instant mes MP avec ce perso, donc ça va. Alors ici. Adversaire maléfique, oui. Et les volants. Ok, volants aussi. Peut-être utiliser HP plus. Non. Bon, je vais me concentrer un temps sur un boss sur un jeu. Ok, ça marche. Bah, bon courage pour ton boss. Et sur quel jeu? Auto-potion, pétra fossile. Adversaire maléfique. Saint-Céa avec nous. Ok, je connais que deux noms. Bah, bon courage pour ton boss. Tu me diras si c'est passé crème ou pas. Alors, il me faut, voilà, ni chaud ni froid. Maintenant, le dernier. Confusion, pas besoin. Fossile Petra, oui. C'est un boss de Légion. Non, mais je connais pas. Faudrait que je regarde à quoi ça ressemble. Activé 3. Bon, j'ai rien de bien en trop. Hop. On est plus d'accord, ok, c'est en multi. La lumière vous guidera. Okay. Il ne se passe rien du coup. Si je retourne dans l'autre salle, il se passe rien. Et bah on continue. J'aime bien les jeux en multi généralement, donc on verra. Il y a peut-être moyen que je teste, c'est un jeu payant. Ah. Bon. Et là, j'imagine, ça reste fermé, quoi qu'il arrive. Ah oui, d'accord, non, mais j'en ai plusieurs des portes. Achat in-app, comme d'habitude. D'accord, ok. Ça marche. Non mais c'est ça en fait, faut vraiment que j'allume le feu dans la baraque de Kuja quoi. Genre il a pas des serviteurs pour le faire quoi. Oh merde, j'ai un combat. Ah non, je sais pas ce qui s'est passé. Bon bah bon courage pour ton boss en tout cas. Ah non mais je suis coincé là. Je sens que ça va être chiant. Attends, il se passe un truc là, c'est obligé. Ok. Donc c'est les statues du milieu là qui ont changé. Il y en a qui ont disparu. Et là... Qu'est-ce que ça fait? Voilà, donc il faut que je passe comme ça. Enfin, je suppose. Ça ira vite. Okay. Bon, bah... Allumer toutes les lumières vous mènera plus loin. Vous n'avez pas d'interaction sur celui-là, là c'est...
Ok. Ok, donc les statues sont parties. Et là, c'est tout? Ok. Donc, il faut que j'allume toutes les lumières pour, j'imagine, la porte de droite. Non, mais toi, tu dois t'ouvrir, là. Qu'est-ce qui manque? Ah, celle-ci, en fait. Ah, voilà. C'est ça. Créer un escalier. Non, bah non, bah en fait, c'est bien ça. C'est juste que j'avais pas l'interaction tant que j'avais pas allumé tous les flambeaux, par contre. Don de la force. Gardien du palais, enlever la magie de la chaîne offerte à la divinité. Examiner la perle. Bah, évidemment. Si je mets non, je vais rester coincé. Chevalière. Alors, normalement ça. Chevalière. Ah, j'en avais déjà une. Je vais la mettre. Tous mes persos, non. Tous mes persos ont pas un objet. On va lui mettre ça, ça augmente un peu sa force et tout, donc c'est cool. En attendant d'avoir un objet avec des compétences augmentées. Non, on ne peut pas parler à la statue, ça non plus. Ouais, trop question. Ça me pire. Combat. Non. Alors, est-ce que c'est à manger ou pas? Non, je les ai déjà mangés. Ça m'intéresse pas. Ah, par contre, Tarask, il a plus beaucoup de points de vie là. Donc, on va faire une petite magie. Mistral. Demi d'épée. Soit plus. Allez. Voilà. Tac. Je vais un peu me soigner comme ça. On sera bien pour le prochain combat. Des fois qu'il y a un boss qui arrive bientôt. Stop. Non mais je crois que j'ai enlevé le... J'ai enlevé le stop, normalement non. Ah non, je l'ai enlevé. Alors que je rechange des compétences. Il ressemble à un dessert japonais. Ah oui, les mochi. C'est ça hein. Sorte de bouboule de couleur à la pâte à la farine de riz là, qui rend un peu le truc gluant. Moi j'aime bien. Bon, j'ai enlevé stop là, je fais n'importe quoi avec mes compétences. Bah. Donc c'est Mobilis. Qu'est-ce que j'enlève? Toxique poison, on s'en fout. Alors, les autres. Non mais histoire que je me fasse pas embêter quand je balade quoi. Ça c'est quoi? Pétra fossile, faut que je laisse. Morphée, ça m'embête d'enlever. Bon, si t'as contraire, on s'en fout. Je vais dire ça et je vais le regretter genre dans 2 secondes. Pétra, faut que je laisse. Mutisme aussi. Les boss regardent ce que tu fais et s'adaptent. Sans doute. Alors, ici. Fossile Pétra. Putain, mais j'ai pas. On va enlever Hypnose et on va mettre le stop. Voilà. Bon. Ensuite. Don de la force. Gardien du palais, enlevez la résistance de l'armure offerte à la divinité. En fait, je suis en train d'enlever tous les trucs et ça se trouve, fallait pas. Hein. Carapace.
Mais il y a rien. Ah, les démons. Ah, un mob que je ne connais pas. Vas-y, va faire un truc d'un... du compétence que je viens d'enlever, je parie. Électrosphère. Scan. En tout cas, il a l'air stylé, ce... je sais pas, léopard. Hein. Marsupial. Alors. Niveau 30, 3200. En fait, ils ont tous les mêmes. Pardon. HP et MP. On va attaquer directement, voir. Ah, peut-être manger là. Est-ce que ça suffit ou. Non. Alors, je vais attaquer avec Dag. Est-ce que je suis bien sur Daga? Ouais. Qu'est-ce qu'il me fait? Okay. On va mettre en défense. Ouais. Raté, mais non, genre la seule qui devait pas rater. Allez. Parce que les autres ils risquent de le tuer, je pourrais pas le manger. Alors j'espère que ça va bien taper, que ça va pas se soigner. J'attaque avec Quena. Bon, la prochaine fois, j'utiliserai la compétence qui laisse un PV. Hein. Ce sera peut-être mieux. Ok, d'accord. Et gauche? Non, il se passe rien, je peux pas y aller. Est-ce que je vais passer par là? Non. C'est par où? Ah! J'ai une deuxième chance pour manger. Moi, c'est marrant, on dirait qu'il a une écharpe. Alors, 3200. Ok, 1100 comme tout à l'heure. Commande bloquée, d'accord. Alors, magie bleue. Voilà, HP 1. Ça marche. C'est pas marqué raté, donc normalement c'est bon. Hop, cannibale. C'est pas bon, miam. D'accord, bon. Oups. Nouvelle compétence. Équipement, c'est la vie. Ah oui, c'était Stone Killer. Okay. Augmente la défense. On va prendre plutôt une carapace. Hein. Non, ça. Ah mais escalier qui monte. Ah là 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 là. Par contre ça c'est, je sais pas allumé là. Ah. Ah cette fois ça augmente, ça allume un vitrail. Okay. Ok, donc il y a une bibliothèque. Sortie nulle part. Non, ici, il faut pas allumer le feu. Bon. Le malentendu du sage. Quand la fenêtre s'illumine, vous pouvez l'ouvrir. Ça, non. Non, sinon, les livres bourrés. Oui, bon, bon, hein, voilà. D'accord, donc ça, ça a ouvert juste un escalier. Et du coup, ça n'en toujours pas. C'est vrai que celui-ci est particulièrement proche du combustible. Non, toujours rien.
Et on peut pas les lire, les livres? Je suis sûre qu'ils sont très intéressants. C'est quand même la bibliothèque de Pooja, quoi. Non mais genre... Ok, don de la force. Gardien du palais, enlevez le pouvoir d'esquive du bracelet offert à la divinité. Je suis une espèce de vandale, là. NK, je crois que c'est la première fois que je vois ce truc-là. Qu'est-ce que c'est? Je savais que j'étais allée trop vite. Comme d'habitude. Mais non, mais en fait, c'est bête. Pourquoi ils le mettent pas en bas quand on a des nouveaux objets? C'est chiant. Sur la droite, d'accord. Ah voilà. Bah, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à rien du tout. On dirait un anneau, mais les objets de... Mes accessoires, ils sont en bas, quoi. Donc, c'est peut-être pour le rouge. Voilà. Non. Et c'est pas là-dedans. Donc c'était entre ça et les bâtons. Non. Ah oui, c'est vrai que ça... Effectivement, ça ressemble à un bracelet. Ah oui, d'accord. Lupin H2O. Oui. Est-ce que quelqu'un apprend ça? J'ai pas du tout pensé au bracelet, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas eu. Heureusement, on me souffle les infos dans l'oreille. Mais Lupin, je crois que je l'ai déjà, hein, par contre. Et H2O, ça doit être pour Bibi, mais Bibi est pas là. Ok, bon, bah, très bien. C'est... Ah, mais par contre, quel est le rapport avec le fait que ça enlève, que ça ajoute de l'esquive? Est-ce que dans la description, par hasard, une caille, bracelet que portaient les ninjas? D'accord. Demain, saison 2 de Lupin. Ah bon? Je sais pas, moi je connais Lupin, un dessin animé, quoi, mais sinon je connais pas. Et sinon, je reviens là où j'étais, ça se passe comment? Je vais faire demi-tour. La série Omega, ça, je ne connais pas. Faudrait que je me renseigne. Oh, merci. Hop. Voilà, j'ai noté. Non, c'est vrai que moi, Lupin, je connais juste le dessin animé, mais c'est vieux. Hein. Ils ont refait des nouveaux épisodes, mais... Non, je voulais aller en bas. Le truc, c'est que là, maintenant, là, je sais pas trop où je dois aller. Hein. Je suis allée partout. Mais clairement, là-haut, ça avait l'air d'être un cul-de-sac, donc... Non, c'est pas par là. En référence à Arsène Lupin, oui, non, bon, effectivement. D'accord. Et c'est une série de fiction. Enfin, je veux dire, c'est une histoire. Hein. Ça raconte quoi? D'accord. Il y a un truc auquel je me suis pas protégée, c'est la furie, bien évidemment. Ah non, mais elle soigne, elle. Oh là là. Bon. Donc voilà. Un tigre en moins. Donc toi, non, on va soigner, parce que là, ce qu'on s'est appelé un tendax. Hop. Ah ouais, d'accord. Mal concentré en plus. Bon. Bon. Bon bah finalement j'ai remonté là-haut parce que je sais pas trop où je vais. Hein.
Ou sinon, faut que je retourne carrément tout au début et que j'aille à gauche, là où il y avait les mages, parce que moi, je suis allée directement à droite, mais il y a peut-être quelque chose aussi à gauche. Hein. Je vais refaire un tour en haut, mais il me semblait qu'il n'y avait rien. Et sinon, j'irai de l'autre côté. Lui, je l'ai pas mangé. Allez. Alors. Cette fois, on va essayer de soin d'Aga concentré. Hein. Dragon. Ferme la tragique, voilà. J'espère que ça va marcher. Voilà. Ça a marché. Ah, boomerang ! Non ! Ah ! Du coup, ça va faire quoi ? Rien du tout ? D'accord. Des fois qu'il me renvoie mon mat tragique, ça aurait été triste. Et là, il m'aurait resté plus qu'un PV sur les persos. Alors, du coup, on va le manger. Hop. Je crois que ça m'était furie, hein. J'ai de la chance. Sinon, j'aurais pas pu cuisiner. C'est pas bon, miam. Bon, ben, moi, j'aurais testé. Alors, je suis un peu vite, qu'est-ce qu'elle a pris ? Qu'est-ce qu'elle a pris ? Équipe-moi. Non, c'était... Luna. Pris Luna. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Pas du tout. Un flèche-furie. D'accord. Oui, donc je disais, je monte tout là-haut, mais je pense qu'il n'y a rien. Et rien de plus dans cette pièce. Ça change pas grand chose. Et là, il y a que ça. Donc... Faudrait que j'arrive à atteindre le centre là en bas. Mais alors comment ? Mais non, je veux pas aller par là. Ah là là. Bon, on avance. Et on va. Bon, on descend. J'ai eu un point d'exclamation, j'ai halluciné. Un petit coup. Ah. De dos. Voilà. Non, voilà, à mon avis. 2000. 172, hein, mais ça sortait d'où, ça c'est nul. Change de fourchette. 1, 2, croix, soleil. Ouais, je vais être obligée de repasser par là, je pense. Hein. Et bon, non, on parle pas des mauvais passages. Hein, et les mauvais souvenirs, là. C'était une horreur. bon. Je vais repasser par là. Il n'était pas là, lui, avant. Fais là.
Bon, bah, je dois me sauvegarder, mais je sais pas ce qu'il faut faire là. J'ai dû louper un truc. Par où c'est ? Non, il y a rien de plus. Salle des tortures. Donc non. Bah. Donc ça, c'est la salle que l'on voit de tout en haut. Et je peux pas me TP parce qu'il y a plus les mages, donc et aller dans la zone où il y avait par exemple le vaisseau. Ouais, c'est vrai que je faisais rien. On va leur lancer en route. Hein, ouais. Ah mais en fait je peux leur faire ça. Je peux arrêter de perdre mon temps. Si je me suis pas trompée, ils sont niveau 30, donc ça devrait être beau. Non, ils sont pas de niveau 30, je me suis trompée. Ah non, c'est bon. Parfait. Il semblait bien que tous les mobs du coin étaient niveau 30. Et j'ai attrapé sort. Donc alors, du coup, ça c'était sur quel équipement? Ok. Sur l'équipement principal. D'accord. Vis-à-vis d'un élément, donc c'est un élément au pif. Bon, c'est cool, mais là je sais pas où je vais. Hein. Est-ce que j'ai loupé quelque chose peut-être par ici? Non, il n'y a qu'un chandelier, il n'y a plus aucune interaction. Ah. Ou pas. Les combats se font bien, donc ça c'est cool. C'est déjà ça de prix, vu que je tourne en rond maintenant. Amitis. Ok. En tout cas, te voir jouer à ce jeu, ah bon, pourquoi? C'est le seul long jeu que j'ai fait. Ah, d'accord. Bah là je suis en train de galérer, je sais pas où est-ce que je dois aller, je sais pas où elle est la sortie. Je suis pas un gros gamer, bah moi non plus. Donc Tarance. J'aime bien jouer un peu de tout, mais je suis pas très... J'aime pas aller vraiment dans les détails des choses quoi. J'aime bien toucher à tout, mais... Et voilà quoi. Mais par contre là j'arrive pas à trouver la sortie. C'est où la sortie? Là il se passe quelque chose si je fais ça? Non, je me bloque. Genre il y a quelque chose que j'ai mal regardé là. Peut-être escalier par là. Donc là c'est par là.
Pour moi, tu as fait apparaître un escalier de lumière quelque part. Pour l'instant, je ne le vois pas. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas allumé. J'ai toujours pas d'interaction avec ce truc-là. Peut-être là. Ah, je me déteste. Coucou, une tosse, c'est la panique. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Mais non, mais pff, il y avait ce truc qui était juste devant mon nez, hein, comme d'habitude, quoi. Bon, non, mais c'est pas grave. Le bon côté, c'est que j'ai espéré un peu des persos. C'est ce qu'il faut se dire. Slimper inside. Je sais pas pourquoi je suis pseudo. Coucou. Bah tu peux changer hein, ton pseudo normalement. Mais je crois que tu peux le faire genre qu'une fois tous les 2 mois, un truc dans le genre. Donc c'est faisable. Donc là j'ai allumé des trucs. Et j'espère que je vais avoir un chemin. Ouais, je vais allumer le feu là. Ouais, peut-être la petite musique dans la tête. Toute chenille. Alors. Est-ce que ça m'a ouvert quelque chose? D'ailleurs, c'est un truc. Hein, quoi? Où ça? J'ai loupé un truc? Non. Je suis en train de regarder. Je flippe maintenant, c'est où des trucs? Donc maintenant, il y a lui. Non? Toujours pas? Ah, bah voilà. En fait, c'était... Ah! C'était bien par étage, quoi. Je pouvais pas... Il fallait vraiment qu'il se décale au fur et à mesure. Je comprends maintenant. C'est tout? D'accord. Bon, bah voilà. Il y a eu le bruit d'un mogle. Il est où? Waouh! D'accord. Ok. Bah, mogpost. Donnez la lettre. Merci, je suis très heureux d'avoir reçu une lettre. J'ai entendu dire que Simskin avait commencé à examiner la raison pour laquelle des courriers ne sont plus transportés. Il devrait finir par nous dévoiler la vérité. On attend beaucoup de lui, mais pourquoi Earthmisson ne portait-elle plus de lettres? Il doit bien y avoir une raison. Non, tu veux pas m'en donner une? Ok. Bon, évidemment, on sauvegarde, hein, s'il y a un mug, ça veut dire qu'il y a un boss. Ouais, c'est très recherché. Hein. Bon, on va sauvegarder là, de toute façon. Mais effectivement, on sait pas pourquoi ça se trouve. C'est une envoyée du méchant Kuja et que du coup, elle envoie plus les lettres au mug pour que le joueur principal, donc moi, ne peut plus faire de sauvegarde. Et comme ça, bah, après, je suis coincé, quoi. Rappelle-moi, tu joues sur quel support? Là, je joue sur Switch. C'est une version Switch. Donc lui, j'ai déjà mon jeu. Donc je peux m'en débarrasser. Alors, là, j'ai vu. Mais Hades, en fait, ça coûte cher. Donc, finalement, on va peut-être attaquer. Hop, donc, pas avec Daga. Ah oui. Bon, c'est l'heure du bain pour mon fils. Ça marche. Eh bien, bon bain. Et puis, merci d'être venu. C'était cool d'avoir discuté et tout. Puis de m'avoir coaché. Alors, soin. Petit coup. Parce que de toute façon, là... Ah, il peut le tuer malgré qu'il soit invincible. Enfin, invisible, plutôt. D'accord. Et puis repas, je pense, dans la foulée. D'accord, ça marche. Bah, je sais pas si je serai encore là. Je pense au maximum une petite heure. Hein. De toute façon, dès que j'arrive à un chocobo et que c'est un peu plus tranquille, je pense après le château. Mais bon, c'est pas trop combien de temps ça va durer. J'étais le chercheur
d'équipement de mon volontaire. Je mettrai un rôle officiel. Bon, en tout cas, je passe juste le message au cas où. N'hésitez pas, surtout à follow la chaîne, hein, ça m'aide beaucoup. Et à venir sur mon Discord perso, donc vous cliquez sur le lien Discord et on pourra discuter de choses ou même jouer ensemble sur des lives, etc. Donc voilà, faire du vocal, tout ça. Moi, du foot, du combattant qui décroche, pardon, qui décoche tous les week-ends et qui fume et boit comme un ado. Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est vrai que le mercredi c'est foot, hein. J'avais remarqué le mercredi soir, mais j'ai l'impression que c'est pas que les mercredis soirs. Hein. L'apôtre de l'autre monde, donc là il y a un truc à shipper. Enlever la résistance à la magie du chapeau offert à la divinité. Eh oui, hein. Son n'est plus un objet volé près. Capuchon. Ah yeah, je suis sur le Discord. Bah super. Super, faut juste. Enfin, faut accepter les règles du Discord et après. Vous avez accès à tout. Alors un capuchon. Par hasard. Parfait. Donc champion et Hadès. Champion. Champion de toute façon j'ai déjà. Hein. Ah tu peux pas. Et elle peut pas. Bon bah je vais le laisser là. Moi plus tard ou une prochaine. Bah demain sinon à même heure je fais la suite. Voilà. Et puis bah du coup, bonne soirée et merci. Hein. Allez, passe à la suite. Bon, bah, ça a l'air d'être tranquille. Ah, cette fois, il y a trois bougies. D'accord. Alors qu'est-ce que ça fait? J'ai allumé un portrait chelou. Si c'est passé un truc, je sais pas. Hein. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas vu de différence alors. Faudrait que je regarde un peu plus précisément. Enlever le pouvoir d'esquive de la magie du bouclier offert à la divinité. Oui, évidemment. Alors, qu'est-ce que j'enlève? Glacelier. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être un bâton. Hein. On va regarder. On va aller doucement. Parce que j'ai perdu mon rechercheur d'inventaire. Glacelier. Bon, c'est pas une canne, comme je le pensais. Ah d'accord, ok, c'est pour Freya. Hop. Je vais lui mettre, c'est pas mal. Est-ce que par hasard aussi ça protège? Gantelet très apprécié des combattants. Bon, on va le laisser. Bon, alors du coup, il doit se passer un truc là et je sais pas encore trop quoi. Il y a une différence. Je vois aucune différence, hein, à part l'ombre du mob du côté où je suis. Et là, ça fait quelque chose ou pas? Ne courez pas près de l'ombre du pervers, mais après celle du saint. Ah, l'autre côté c'est quoi? Peut-être que j'éteins les bougies de l'autre côté en fait. Parce que ça je dirais que c'est le saint et de l'autre côté ça a l'air de ressembler quand même à un démon. Donc je vais éteindre les bougies de l'autre côté si c'est possible.
Non. Ça fait rien. Est-ce que par hasard je fais un jeu d'ombre comme ça là? Allez, de l'autre côté. Moi, je dis celui qui est pervers, c'est celui qui a créé le jeu d'ombre. Ah, alerte, alerte, intrus détecté. Il était temps. Passage du mode surveillance au mode action pour l'élimination des intrus. Je ne reconnais pas cette voix. Allez, viens nous montrer à quoi tu ressembles. Allez, je me tape un boss, hein. Alors. Ok. Augmentation des défenses. Détecter la maison perle des fées en cours. Échec, annulation. Ah bah heureusement que j'ai tout volé. Moi je pense que tu vas être triste. Hein. J'ai tout pris. Ou si en tout cas il y a un truc qui fonctionne, c'est-à-dire que j'ai pas tout pris. Échec. Du coup, tu t'en vas. Ah non. Alors, j'aimerais bien Freya en premier. Voilà. C'est de quoi ils sont. Je déconne pas le truc, hein. J'espère que Daga va pouvoir gérer. Faire ça, et après je vais faire un scan. Des fois que ce soit de niveau 30, ça serait trop bien, je finis avec Hades et voilà. Foudre X encore? Non, boomerang. Bon bah heureusement j'ai pas fait d'attaque magique. Alors magie blanche. Scan. Bah oui, évidemment. Évidemment, ça fait sur moi boomerang, c'est à long terme. Mais du coup, je sais pas trop combien de temps ça va durer. Je peux pas faire de magie, hein. Enfin, contre le mob. Tout en soi normal. Que là, on va faire sauter, ça fera peut-être un peu plus de dégâts à rater. Ok, 500 pour un Brésil X, ça va. Là, il doit plus avoir boomerang, je pense. Peut-être moyen de lui refaire un scan. Moi, je pense. Essayer. Pire, c'est pas grave. On scanne moins. L'été. Ah,
Blocage des défenses. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais non, d'accord, ok. C'est vraiment un mob bizarre, hein. Une sorte de pierre tombale, là. Ok. Élixir, c'est toujours ça de prix. Donc là, on va rallumer la lumière. J'ai deviné toute seule cette fois. Alors, téléportation. Nickel. Pendant ce temps... Ah. Je suis enfin revenue. Ce n'est pas le moment de me détendre. Je dois aller sauver mes amis. Sautre. Lui, il parle toujours pas. Désolée, mais j'ai hâte de ne laisser passer personne. En vrai, on se retrouve tous et on vole le shit, là. Franchement, je suis obligée d'aller faire tout le tour pour rejoindre l'endroit où il faut se téléporter. Et, hein, ils auraient pu relever 3 cailloux et puis... ça aurait été vachement plus simple. Ah, donc les fameux ogres. Allez. En mode flemme, tout le monde à l'attaque. L'objet. L'objet que j'ai récupéré par hasard. J'ai rangé, hop, auto et trésor. Caché et protégé de la magie tel un calice, son art est illimité. Nous avons tenté de comprendre ses dessins, mais nul ne connaît son vrai visage. Alors... Reste plus qu'à savoir si je dois me taper tout le chemin aussi avec Jidan. J'espère que nous, bien évidemment. Alors... C'est où ici? On a bien été transporté dans la tôle de Kuja? Tu es revenu, Jidan, mon escalier. Je t'attends dans la chambre au bout du couloir. Jidan vient seul. Écoute, Jidan, Kuja, c'est le lâche des lâches. Le crois jamais sur parole. Je le sais. Attendez-moi là. Bah... Ah oui, j'avais peut-être des équipements à leur mettre. J'ai récupéré plein de nouveaux trucs. Là. C'est peut-être le capuchon sur Bibi, non? Pour Hadès. Et H2O. Ok, donc ça c'est bon, et on va glisser ça. J'ai pas fait Steiner. Normalement, il y en a pas d'autres. Ok. Donc là, il y en a bien un autre, mais il est sur Freya. Et là, Carapace, ça va rien de plus. Les compétences, très bien. Non, il n'y a rien du tout. Genre, il a pas laissé traîner ses affaires. Et si je vais là, il se passe quoi? Non, ça sert à rien.
vraiment, j'ai pas l'impression que j'ai le choix. Je suis sûre qu'il magouille quelque chose. Ouais, moi aussi, hein. Prends garde. Ok. Bon. Allez, c'est parti. Entre. Je suis heureux de te revoir, Jidan. Alors, mes amis vont bien ? Ne sois pas si brutal. Regarde en bas, par là. Ne t'inquiète pas, ils sont juste endormis. Alors, donne-moi le roc de Gulg. Est-ce que Jidan va s'en sortir tout seul? Et les autres, ils vont bien? Il est en train de creuser, là, Stella. Ah. Et Jidan, où est-il? Il est allé voir Kuja tout seul. Au fait, comment vous en êtes sorti? À vrai dire... Je vous esprite plus tard. Dépêchons-nous, ne le laissons plus faire. Aquena, je pense qu'elle a envie de le manger. Qu'est-ce qui se passe? Ah oh. Alors, donne-moi le roc de Gulg. Quelle saleté! Je suis vraiment lasse de ce genre d'insultes. Tu me le donnes ou tu me le donnes pas? Super réplique. Quoi? C'est qui cela alors? Je n'avais pas prévu ça. Les autres ne sont que des doublures. Au cas où j'avais pas compris. Si tu crois que tout est fini, tu es trop optimiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Eiko, je vais la sauver, quoi? Qu'est-ce que... Une grenouille qui parle? J'aime bien faire ça aux grenouilles. Ah! Il n'est pas arrivé. Ah? Après avoir reçu le roc de Gulg, je pensais vous tuer tous. Mais bon... Je me contenterai de cette fillette et de la pierre. Je souhaite que nous nous retrouvions un jour. Bon sang, aucune réponse. Regarde, Jidan, l'île de garde 1. Il faut le rattraper. Genre, il a rien laissé dans sa chambre. Même pas un petit coffre, rien d'intéressant, quoi. Ah! Non, ça avait... Il y avait la petite... un petit point d'exclamation. Juste là. Voilà. Carte. Impossible d'en prendre plus. Comment on jette des cartes? Voulez-vous jeter... Ah, okay. Oui. Ouais. Naming way. Qu'est-ce que c'est que ça? Juste par curiosité. Ah d'accord, c'est ça. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Non, je peux pas aller sur les côtés. Bon, ben, on va retourner par là. Ah, je peux aller là cette fois. Et je pense que... Ah, il va y avoir le mug. On va prendre le mug. Ah non, carrément.
C'est un peu loin quand même, hein. Mais... La galère de point d'exclamation. Alors. Ok. Je vois pas trop comment je vais pouvoir le rattraper, sachant que je suis à pied. On va soin, même si c'est que pour 200 PV. Ah, ok. Bon sang, il a disparu. Titan, si on prenait le narcisse bleu, il n'est pas encore trop tard pour attraper Kuja. Oui, on n'a pas le choix. Allez, on part. Ok. Bon, bah, c'est parti. Bon, ça a l'air d'être par là. Du coup, je vais revenir peut-être dans le désert là, non? Ah non. Ok. Petite séquence cinéma. Alors, nous avons vu sur le jet privé de Kuja en forme d'espadon. Par contre, ça c'est Madaine Sally. Il va où? Ah oui d'accord, le bateau là c'est moi. Ça va, c'est pas moi qui contrôle. Non sinon je l'aurais jamais rattrapé, hein, vous imaginez bien. Alors. Ok, donc ça va dans la zone... le continent fermé. D'accord, après le continent extérieur, oublié, intérieur, nous avons fermé. C'était là en plus où j'avais XP, donc je connais bien cette zone. Bon. Alors. Tu nous fais visiter des coins louches. Tu veux dire qu'il y aurait quelque chose par ici? Je veux pas connaître ces raisons, mais pourquoi Echo? Je ne comprends pas très bien. Cette jeune fille peut-elle invoquer des chimères? Oui. Il veut lui faire la même chose qu'à Daga? T'inquiète pas, Daga, je le laisserai pas faire. Quand on le tiendra, j'aurai pas mal de questions à lui poser. Bah, très bien. Bon. Bon, bon, bon. Ok, donc je suis sur le terrain glacé. Bah, du coup. Je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui, parce que là j'ai l'impression qu'on va commencer quand même un assez gros chapitre. Et comme ça on peut attaquer cette zone, cette nouvelle zone, bah, demain. Voilà, ce sera très bien, parce que sinon j'ai peur que ça dure vraiment très très longtemps et que ça finisse plus tard que prévu. Donc voilà,
Bah du coup, je vais voir pour relancer un petit raid. Et puis je vous dis bah merci et puis à demain. Voilà. Alors pour le petit raid. Alors. Un petit challenge sur Pokémon Rouge. Allez. Je fais un petit raid. Alors, est-ce que je vais réussir à implanter la dernière fois? Bon. Oula, mon copier-coller là marche pas du tout bien comme il faut. Hein. Allez, c'est parti. Et du coup, moi je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire à demain. À demain, et puis bonne soirée, je vous fais plein de bisous. Tu as un Tocabil TV qui rejoint avec son raid. Bienvenue à vous les mecs. Bienvenue à vous les mecs. Je sais plus mais ça fait un moment. Fifou, bah Pokémon Steam, ça fait un moment que ça a commencé, non? Donc ouais, ça doit faire un moment qu'il a fait en Pyrénées. Ça fait un petit moment. Il y a combien d'arènes? De quoi il y a combien d'arènes dans ce jeu? Bah, il doit y avoir 8 badges. 8 badges, on en a 2 pour le moment.